6. Alors. 6, ben le support cerveau. Avec la nouvelle platine de support. 7, le cerveau, les biellettes. Allez, c'est parti. Donc ils ont fraisé ici le châssis à cet endroit là pour que le cerveau donc du coup il descende le plus près possible du châssis, parce qu'on voit qu'ici il dépasse le support cerveau, donc notre cerveau va venir plaquer complètement sur le châssis. On va gagner 1 mm en hauteur. Avant de le mettre sur le châssis, il faut continuer la partie 7. Ensuite la partie basse ici vers le bas comme ceci. On remet une rondelle de calage de 2/10 et un écrou M2 lock nut plastique et un écrou nylon plastique, donc c'est ça. Donc on vient en contact. Étant donné qu'on a des rondelles de calage, si on vient en contact, en théorie, ça devrait encore fonctionner. Voilà, je suis en contact. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non. J'ai un point dur. Je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais redesserrer un chouïa. C'est suffisamment libre. J'ai trouvé un embout qui allait bien. Donc on vient visser ça dessous sur le bout là, de la pièce. Sûrement faire la biellette qui fera la liaison entre les deux. Donc ils nous disent qu'il faut une cote de 7,1 entre les deux chapes. Donc le côté où on a une petite gorge, c'est le côté pas normal. C'est-à-dire que là, sans aiguiller une montre, on visse, on essaie de visser droit, on fait en sorte d'avoir à peu près la même distance entre les deux. Et là on va mettre un coup de pied à coulisse pour vérifier notre cote. On fait pareil pour la longue biellette. Et le 8, donc le 8 était celui-ci. Donc ils nous mettent un petit QR code pour un lien pour une petite vidéo qui explique comment on peut libérer les rotules sur cette vidéo. Une pince et il serre les côtés. Voilà, ça commence à se libérer pour déformer un peu la pièce plastique. Brider. Donc, on écrase un peu.